Et salut à tous. Vous êtes sur Tarkov. Du coup, on va aller sur Etoile, je vais tester la nouvelle arme. Elle a pas des caractéristiques trop dégueu, ça. Hey yo! Yo, ma gueule, comment ça? Ça va bien et toi? Ouais, nickel, nickel. Hop là. Je viens d'acheter le nouveau pistolet mitrailleur. En 9x19 là? Ouais. D'accord. Ressemble beaucoup à une MPX, mais avec des chargeurs de Vector. Ah, attends. Ah oui, non, c'est pas ce que j'ai vu alors. Tu l'as eu chez qui? Sur le Fli dans les pistolets mitrailleurs. Ah, ok. Y a Je pas l'ai un acheté vendeur qui... chez un. Je l'ai acheté en fait sur le Fli mais chez un marchand en fait. Et c'était Enfin je quel veux dire. marchand? C'était Skyer. Ok, nickel, je suis en train. Oh, y a un nouveau casque audio aussi! Incroyable! Ah ouais! Ça ressemble vachement à MCX quand même, Ouais, MCX, MPX. Ouais. hein. Ouais. C'est rigolo quand même! D'ailleurs, niveau C'est. caractéristique, t'es vraiment pas loin de la MPX. Oh, j'avoue! Oh. D'origine, t'es à 70 d'ergo, 34 de recul! Ouais. What the fuck, putain! Pour 47 000 roubles. Moi j'ai 44 000. Et 44 000, ouais. Ah oui. C'est. Ouais. Oh Ça va, c'est pas putain! cher. Ah la vache! Ah ouais, ça va être violent ça! Ça, à mon avis, ça va être joué, hein. C'est pas cher en plus, c'est abusé! Et y a un nouveau kit de premier secours. La fac. Le AFAC, ouais. Et il a plus d'HP que le IFAC. Ah mais par contre, c'est pas le prix. Ah, j'ai pas vu le prix. Ah oui, 300$, je crois. Ah, 300 $. Aïe. Je vais rester sur mes vieux IFAQ. Ouais, c'est bien les IFAC. Ah, mais attends, peut-être qu'on peut crafter les AFAC. Il y a des nouveaux trucs hémostatiques là. Ouais, les tourniquets. J'ai vu ça. Il n'y a pas de nouveau craft médicalement parlant. Parlant, pardon.
C'est marrant là que les trucs comme ça, les nouveaux trucs médicaux, ils soient pas vendus par Artobee mais par Peacekeeper. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ça? Pain de TNT. Oh, nice. Je sais pas si on. Si, je sais pas si c'est que pour les crafts pour l'instant. J'espère que pour l'instant c'est que pour les crafts. En vrai, si c'est une utilité IG, là en plus on va aller sur littoral. Tu vas entendre des explosions. Sera même pas arrivé au resort. Mais y a pas de détonateur ou quoi? Donc je sais pas trop. Ah, le réducteur de son pour le nouveau pistolet, le P15. Il n'y a pas de recherche liée au pain de TNT. Ils se sont dit, on leur laisse encore un peu de temps. Déjà, on leur montre, regardez, ceci est un pain de TNT. Vous savez ce que vous allez pouvoir faire avec? Vous savez comment vous allez l'avoir plus tard? Vous allez souffrir avec. C'est qu'en plus ils ajoutent un pourcentage de chance que les gens, les esclaves, puissent en avoir sur eux et puissent s'en servir. Oh mec, ça va être l'enfer. Ça va être au secours. Un peu ouais. Hop, bon bah je vais au lobby. Et je suis au lobby. Et je finis de recharger en deux spills. Oh ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ah, d'ailleurs, la plupart de stuff que tu peux mettre là sur le nouveau pistolet mitrailleur, c'est du stuff de M4, tout ça quoi. MPX. Ah ouais? Ah ouais, bah ouais, du coup, ouais. Et du coup, il y a une nouvelle crosse aussi, non? C'est ça? Ouais, il y a une nouvelle crosse, ouais. Nouvelle crosse et nouveau frein de bouche. Yo ma couille. Merci pour l'affiliation, effectivement, oui. Merci, mec. Comment ça va? Gilet tactique, il est fait pour l'airsoft. Il y en a plusieurs des gilets tactiques. Mais ouais, ils ont pas l'air fou. Ah, le azimut, il a l'air gros de ouf. Hein. Le ouais, de ouf, ma couille. Ah ouais. C'est vrai qu'il a l'air pas mal. Ah c'est Ragman 4 ce sac là, merde, ok. Je regarde ton stream. Hein. Une nouvelle caravane et un sac portuaire. Ouais. Non, mais c'est écrit que c'est pour les armes avec un long canon. Ouais, j'essaie de rentrer des cadavres de scav à l'intérieur. Pas sûr que ça marche. Hein. Ah, il est pas mal celui-là. Ce gilet de chasseur, c'est The Hunter. Mmh.
Hop là, du coup, j'ai vu un truc. Ça change rien en fait. Ok. Bon. Ils prennent un objet, ils en ajoutent deux, un de chaque couleur, c'est bon. Bah la mise à jour est worse, hein. Apparemment ils ont réparé les snipers cav. Hein. Ah nice. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des chances qu'ils aient réparé les cultistes aussi. Oh, t'as sorti une Adar? Bah oui, parce que je dois tuer des scavs avec une Adar ou une M4. Propre. Et puis c'est l'Adar de la dernière fois là. Ouais, de ouf. De ouf, ça faisait 9 mois que j'attendais d'avoir la filiation, du coup, et maintenant je l'ai, enfin. En vrai, je testerais bien aussi le nouveau casque audio. Ah, c'est vrai que j'ai pas recherché, lui. Je crois qu'il est chez Jaeger. Oh. Je suis pas sûr. Ah mais c'est vrai, ce qui paraît, ils auraient pas Steam Audio aussi, non? Ouais, tout à fait. Ah ouais, putain, j'ai pas regardé ça. Lâche là, le nouveau pistolet mitrailleur modé. 900 coups minutes, 27 de recoil, 70 d'ergo. Chargeur combien? Bah là j'ai pris les chargeurs 33 coups de Glock et ah tu oui, peux mettre les 50. Bon les 50 tu perds pas mal d'ergo quand même quoi. Ah ouais? Bon après t'es à 70 ça va. Ouais 70 avec des chargeurs 33 ça va. Ouais je suis parti en mode je vais tester l'arme tu vois. Si ça se trouve elle est nulle à chier, si ça se trouve elle est perma cheat. En vrai elle a l'air pas mal hein. Niveau des stats mais... ouais. Faut les bonnes balles, les bonnes situations. Au niveau des stats ça va, ça fait une MPX quand même clairement. Ouais bah c'est ça ouais. Une deuxième MPX. Bah ça se rapproche même de la Vector hein, quand même. Niveau stats. Bah la MPX modée je tombe à 25 de recul je crois. Ouais mais c'est dans le même esprit. C'est juste que la MPX ça part de 40 je crois. Ouais. À la base. Après la MPX c'est 200, plus de 200k pour la modée. Oui. C'est cher. Oui. Bon en soi c'est pas super. Ouais si c'est quand même assez cher. Mais c'est pas non plus ultra cher. Ouais en vrai ça va. C'est juste que ouais c'est. Si tu compares au prix du modding d'une Vector. Ah oui. Et de ses perfs. C'est quand même plus rentable de faire une Vector qu'une MPX. Alors bah, que de toute façon, c'est pas grand chose à faire. Ah c'est pas faux. Bah, je veux dire, la Vector, ouais, déjà un camp poignée avant, t'as pas besoin de t'emmerder avec une shift ou quoi, n'importe quel poignée, ça suffit. Ouais, c'est ça. Les stats sont déjà tellement bonnes de base qu'en vrai, ça change pas grand chose. Il me semblait qu'on doit aller dans le resort ou pas, je me suis dit. Oui, 306 Est. Ok. Quand il y a un problème. Ah, ça tire que en semi-auto!
Ah! Mais pourquoi ça fait 800 coups minutes alors, je comprends pas. C'est de la merde. J'avais pas vu. J'ai vu 100 coups minutes, je me suis dit ouais, là, ça va rafaler et tout. Je punch, je fais B, semi-auto, semi-auto, semi-auto. Ah ouais, Ah. merde. On va au Reaser direct là du coup? Je sais pas ce que t'en penses. Oui, ça va. Je te demandais juste. J'ai plus de stam. Le temps qu'on arrive, ils seront déjà la tête dans les X la plupart. J'avoue. J'avoue, du coup, ce mioto, c'est pas fou, hein. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Tu m'étonnes. Le stam. J'ai pas pris mes clés. Ouais, je les ai. C'était 306 LS qu'il te fallait? Ok, je l'ai. C'est pas à droite qu'il faut monter? Des clients. Je suis en train de reprendre un peu ma stab. C'est bon. Ouais, t'inquiète. C'est court là. Ouais. Quoi on était. C'est sorti côté hélicoptère. Ça va arriver vers, ça arrive vers nous. Ah oui, j'entends. Oh, il m'a mis une tête. Mort. Ouais, c'est vraiment de la merde. Ouais, du coup, ouais. Ah, c'est Chaska. Il a bien joué à lui. Deux munitions utilisées, trois tirs réussis. 94. Et il est pas tombé.
Et t'avais pris carrément les vestis. T'as pas le temps, toi. Je l'avais looté sur un mec. Je suis sorti avec le stuff du mec. Ça, je relève la visière, j'ai toujours le bruit du mec qui aspire. C'est pas buggy. Tu veux que je te disque ton ADA ou que je te la ramène? Comme tu veux, mec. En vrai, comme j'ai peu de chance de survivre, je vais essayer de te la discard. Ça marche.
Ah, il m'a fait peur, sa mère. C'est un joueur qui va se planter et tout, il va me défoncer. Oh de merde, voilà. Thank you.
Moi j'ai pas trouvé de l'Edix, mais j'ai trouvé deux ophtalmoscopes quand même. Ah bah ouais, le famoso. Là, le mec qui m'attendait dans l'admin. C'est pas grave, je vais attendre ici. Je fais la contre-camp. Camp contre-camp, tu vois. Mais c'est chiant, genre, je crois qu'ils ont nerfé un truc au niveau du canap. Je peux plus me pencher sur le côté avec AE, en fait. En tous les cas, j'ai quand même mon Ledix et mes deux ophtalmoscopes dans le pouch, mais... De toute façon, j'ai fait les salles les plus importantes du resort. Là, enfin après il y a 216, 219, mais je vais pas les faire. Ça sert à rien, j'ai déjà assez de trucs sur moi. Surtout le Ledix si j'arrive à le sortir en vie. Là c'est... Soit il vient, je le tue, je le loot, je me casse. Soit il vient pas, je me casse. Direct, pour les tunnels, m'extraire. J'étais à 301, je l'ai entendu bouger vite fait. Mais là, je l'entends plus.
Il est pas chaud pour bouger, lui. Il m'a tiré dessus, mais c'est tout, il n'y a plus personne. C'est pas grave, je sais me barrer. C'était l'esclave, ok ouais. Peut-être toujours attendre pour qu'il me rush en fait. Sanitaire ça. Ouf, 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 ouf sa grand-mère. Ouf. Ah ça va, j'oublie, moi je fais le fou mais j'ai pas de. J'ai plus de pare-balles. Je vais même pas le chercher, je crois que je vais me barrer en fait, c'est tout. Ou alors faudrait que j'essaye de prendre une ligne à distance peut-être. Ah, en tout cas, il m'a bien défoncé en une balle. Alors, surtout ce qui est un peu intéressant là. Ouais, vite fait. Ouf, ouf, ouf. Ah, j'ai juste eu le temps de comprendre qu'il était au fond, de décaler, et je suis mort. Ah, il m'a tout shot.
Ah, il m'a tout shot à T45. Ah ouais, putain. Fort. Balèze les potes à Saïta. Bah ouais, du coup. Bah ouais. Ah, t'as vu le pote à Saïta là? Ce qu'il m'a fait. Ouais, j'ai vu, bah j'ai vu avec sa lampe là et tout. Je vois rien et tout, je m'approche doucement, je me dis. C'est bizarre. D'un seul coup, je vois une lampe torche, je fais. Oh putain! Babam! Mais en vrai, je sais pas pourquoi t'as stay, hein. Moi, je serais parti 1000 fois, hein. En fait, je voulais les try. Tu vois, un peu l'appât du gain, tu vois. Ouais, enfin, t'étais déjà bien plein. Ton Lady X, tes ophtalmos. Ouais, d'ailleurs, je te rends tes balus. Tu peux les garder, hein, y a pas de soucis. Ok, bah merci, mec. Bah, Hop, de c'est rien. gardé. Du coup, faut que je m'en refasse une. Pépite Merci pour la pépite, chat, salut. Salut à toi. Ah bah le... Et voilà, ce raid nous aura montré une chose, c'est que le nouveau pistolet mitrailleur, c'est de la grosse daube. Ah, t'as quand même tué un mec avec? Ah mais alors franchement j'ai eu de la chance, hein. C'est parce qu'il avait plus de balles. Ah. Ouais, en même temps, j'ai vu, il avait des chargeurs 20, c'est ça? Ouais. Ouais, ça aide pas. Ah, il avait plus de balles dans son chargeur, c'est pour ça qu'en fait je suis pas mort. Clairement il aurait pu me tuer 10 fois s'il avait voulu. Putain, moi, il m'a foutu le démon par contre. Hein. Genre, il savait exactement où j'étais, tu vois. Ah bah il À savait où peine il on était. dépasse le bush, tire 2 balles, il me fout une tête directe. Genre, il n'y a pas de négociation. Il savait clairement où on était. Parce que je l'ai entendu courir à l'intérieur, il a fait le grand tour et tout, il est arrivé par derrière. Bah ouais, il est arrivé. Bah pas à l'entrée où t'es arrivé, mais l'autre arrivé. L'autre entrée, pardon. Ah lui, ça fait le bac. Ça refait le huc un peu. Qu'est-ce que je vais prendre comme Kevlar? Sur Escape from Tarkov là oui il y a eu un patch ce matin. Bah d'ailleurs ils ont ajouté quelques armes et tout, dont un pistolet mitrailleur que je viens d'essayer justement dans la game là que je viens de finir. Et c'était de la merde.
Le pistolet mitrailleur et tout, je l'achète, je me dis vas-y, je vais le tester. Je vois 800 coups minutes, je me dis ouais, c'est bien et tout. On arrive en raid, puis là j'appuie sur la touche pour changer de mode de tir. Et là je vois semi-auto, semi-auto, semi-auto. En fait, il tirait en. Le pistolet mitrailleur tirait en semi-auto, c'était en coup par coup. Il tirait pas en full auto. Donc du coup, là, on s'est retrouvé face à un mec. Je lui tirais en coup par coup avec de la 9 mm, c'était ridicule. J'ai réussi quand même à le tuer. Mais il m'a mis mon Kevlar à zéro et c'est ça qui m'a foutu dans la merde ensuite. Parce qu'ensuite, du coup, je suis tombé sur Echala, sur Sanitar, qui est le boss de la map. Comme j'avais plus de Kevlar, j'ai pris 2 balles et je suis mort. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû tenter de le try, mais bon. Un peu taquin, je suis comme ça. On va faire ça. On va faire ça. Voilà, comme ça, là j'ai tout de près, il n'y a plus qu'une grenade à prendre. On prend 6h ou 18h? Ouais, 6h peut-être, non? Je sais pas. Ah, quoique, il fait jour jusque tard en vrai. Ouais. Bon, comme tu le sens, mec. Vas-y, 18h. Ah non, ça c'est habituel, ça. Les patchs sur Tarkov qui, voilà, qui servent pas à grand chose, quoi. Pour l'instant, bon, on n'a pas encore tout vu, mais pour l'instant, le fameux pistolet mitrailleur de ouf, il est pas ouf. Ah, c'est un pistolet mitrailleur qui mitraille pas, donc bon. Ouais, c'est ça, c'est. Il a les mêmes stats qu'un MPX, mais il tire que en semi-auto, donc bon. Tu Pas m'avais dit utile, quoi. 18h ou 6h du coup? 18h. Ok, bah je fais 18h. Le retour de la barbe. Ah bah les revenus en assurance, faut bien la réutiliser. Hein. Exact. Hein. Bah là, tout ce qu'il y a là, c'est le retour d'assurance que tu m'as sauvegardé. Là, il y a juste le gilet pare-balles que je vais revendre. Yes. Parce que c'était une Gen 4 pétée. Ah oui, de base, elle était à 30 et quelques, je crois. Ouais, ça, 33. Si je la réparais, elle était à 28, je crois. J'ai fait non, c'est pas la peine. Ouais, puis ça te coûtait 50 000, non? Un truc comme ça, ouais. 50 000 pour que je me fasse tuer en une balle, c'était pas la peine. Ouais, on va éviter, je crois. Ah, j'ai oublié de remettre la crosse du MP9 ouvert. Oh. C'est pas elle, game. Falloir que je ne l'oublie pas parce que sinon, dès que je vais tirer, ça va faire les étoiles. Oh, il est 19h36. Eh ben attendez, il est l'heure du jus de houblon là hier. Là. Autrement appelé aussi le café belge. Voilà.
cas, ouais, ça m'apprendra à me chauffer sur les nouvelles armes. Bah, c'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est clair. En plus, ouais, je sais pas, j'ai vu l'aspect de l'arme, le fait que ça tirait les mêmes chargeurs que la Vector, je me suis dit, ouais, ça a une bonne force de tir et tout, ça va être en full auto. Non, non. J'avoue comment il calcule les 900 coups minutes, genre. Ouais, les 800 coups minutes, hein, genre. Ah, c'est mieux comme ça. Ah ouais, on est méga loin pour le resort, là. Bah j'ai pris une AG6, donc on peut courir. Ok. Ah là, ça, c'est le plaisir, là. Je prends la MP9, j'appuie sur B, ça fait automatique. On fait un petit tour au villa avant ou pas? De quoi? On fait un petit tour au villa pour voir avant ou pas? Vas-y, vas-y. C'est quand même normal. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Il est où? Il est au niveau de l'autre chalet. Ok. J'ai même pas eu le temps de fermer la porte, gros, il me tirait dans le huc. Ça fait mal. Ah, mais attends. Mec, il y a Sanitar qui se cache derrière un arbre. Attends. Bah, je te le laisse. Hein. Ouais, ça marche. Pour ça, je vais pas tirer dessus parce que. J'ai t'attaqué. Putain, il m'a trouvé. Oh, j'ai plus de balles. Qu'est-ce que je suis con. J'ai oublié de recharger avant de tirer, putain. Parce que normal. Ok. Oh putain. Bah je le voyais plus mais il m'a vu lui. je me l'ai vite fait du coup avant. Ok, ouais, je suis en train de fermer les portes en rez-de-chaussée. Ok, ok. L'heure de rentrer. Oh putain, il a failli me la mettre celle-là. J'ai vu les balles claquer autour de ma tête. Oh. Ok, ouais, y'en a un que j'ai vu. Putain, je suis mort. Ah, t'es mort? Ouais. Il m'a mis un one tap. J'en ai ras le cul. Bon courage, ils sont vénères. Walem, toi la mer. Tête mâchoire.
Ah, je suis mort de quoi là? Pardon? Il s'est passé quoi là? Ouais, j'avoue que je voulais me mettre sur ton stream, et bah en fait, je sais pas là. Hein? Pardon? Mais il s'est passé quoi là? Ah bah t'es mort du même que moi. Mais j'ai même pas entendu la balle tirer. Je peux pas te dire là. Eh, c'est magique ce qui s'est passé là. Faut clipper ça. J'aurais dit que c'était de la sorcellerie, mais ouais, on va dire magique. Pardon. Je suis mort de fermer une porte. Parce qu'en fait, je suis mort au moment où j'ai fait l'action de fermer la porte. C'est bien. Ah, je suis en train de me dire, en fait, vraiment, à chaque nouveau patch, les serveurs de Tarkov fonctionnent mieux. Mais je sais pas si c'est un problème de serveur, là. Je sais pas, parce que là, en vrai, je rafale deux scav raiders, enfin, les potes de sanitaire, ils meurent pas. Au moment où je passe devant la brèche à toute berzingue pour rentrer dans le chalet, je meurs, y'a pas de tir. C'est bizarre. En vrai, je pense que c'est pas... Je pense pas que ce soit le serveur, hein. Je pense qu'ils ont trop touché les scaves là. Faut arrêter les bêtises là, monsieur Nikita. C'est vraiment. Bon, bah je me refais une M4 alors. J'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe, Kodrak? Je sais pas, genre j'ai mis 1440 de dégâts chers, y'en a aucun qui est mort. J'ai pas compris. Ah, j'ai même pas capté mes dégâts moi. Ah, j'ai vu aucun dégât, enfin j'ai vu que le scav de base là que j'ai tué au début. Et je vois 1440 de dégâts chers, je fais. Ok. Mais déjà y'en a un, t'avais fait queener parce qu'il toussait et tout au début quand t'as tiré. Ça c'était sanitaire. Allô, monsieur Nikita, votre jeu il est cassé. No, Tarkov is fine. Get a better PC. Ah ouais, bah. Je vais essayer de clipper ça en vrai. Alors... Hein? Mets bien one tap. Il s'est passé quoi là? Ouais, j'avoue que je voulais me mettre sur ton stream. Et... Ah, je suis mort de quoi là? Est-ce...
Bon, je le vois. Il arrive sur la droite. Non, sur la gauche. Regarde le couloir. Bon, je le push. Bah, je suis mort. Il est mort. Ah, nice. Ah. Ouh. Ah, mais t'as pas cru que t'allais m'avoir comme ça, toi. C'est comme ça qu'il m'a eu, hein. Ah, je les ai tués tous les deux. En tout cas... Ah bah Oliver, il est cool, mais c'est pas grave, il doit être certain sur mon stream. Merci Nizel, et puis merci Oliver, du coup, de... De m'avoir supporté. En m'ayant fait de la pub, du coup, et en t'ayant fait venir. Ça me touche beaucoup. Et puis merci à toi pour tes 30 bits. Bah alors, on a perdu ses dents. C'est un faux, ça, je crois. Ouais, c'est un faux. Il y en a encore deux. Allez hop, et deux autres de moi. Ils sont venus d'où en fait eux? Bon, j'ai intérêt à grimer mes chargeurs en deux spi parce que s'il y en a d'autres qui arrivent, je suis dans la merde. Yo Barji, comment ça va ma gueule? Ouais, nickel, nickel. Oh non, il montait sa force. Oh l'enfoiré. Oh ce troll. Oh, il était level combien? 41? Ouais. Je faisais pareil au précédent rip, donc en vrai, je peux trop rien dire là-dessus. Grizzly, ça va me mettre pratique ça. Ouais bah toute ma gueule, tu repasses quand tu veux mec. Bonne game à toi sur Apex. Encore deux mecs.
Oh, mais il y avait encore combien de mecs, sérieux? En tout cas, j'ai fait un peu le. J'ai fait un peu le bordel là quand même. J'ai 5 mecs, ça va. T'as lavé la map en fait. Un peu, ouais. Manque de peau, il en restait encore un qui était au fond. Mais je pense qu'en fait, il y avait le mec qui arrivait d'admin et il y en avait un qui était derrière son pote à l'extérieur. Bon, en fait, il y avait toute la map qui était là, quoi. Pas de peau, vraiment. C'est à chaque fois que je m'attaque à des gars et que je commence à faire des kills, à chaque fois, il y a des mecs qui arrivent à la fin pour finir, quoi. Ouais, et puis bon, t'en as fumé 5 du coup en tout, c'est ça? 5, ouais. Ouais, bah c'est toujours mieux que moi. Hein. Moi, Le je mec pourrais, qui je me t'a prends une tué, le tête. mec qui est dans le couloir, les deux autres qui sont arrivés ensuite, le mec qui a essayé de te looter. Bah allez, on va repartir sur, sur du stuff T5 comme d'hab. Si tu veux, pour changer un peu, parce que là j'en ai ras le cul de cette merde de map, Ouais. on peut faire un peu de usine. Ah, tu veux faire l'usine? Ouais, pas de problème. Ouais, faut que je fasse mes kills au Mosin, là. Enfin, au fusil à verrou, moins de 25 mètres. Vas-y, tu sais quoi, je vais prendre mon truc spécial. Ah ouais, j'ai un truc spécial aussi, moi. Faut que je le retrouve. Putain, franchement, je suis dès que j'ai même pas pu récupérer toutes les plaques. Oh. Ah ouais, c'est vraiment horrible ta game du coup. Oh ouais. Non mais en vrai ça dégoûte quand même un peu tu vois, enfin ça Oui, dégoûte un je peu comprends. de... tu vois. Parce que là les mecs ils vont arriver, ils ont rien fait et puis ils ont tout le stuff foré quoi. Mais bon après c'est le jeu quoi, en vrai. Tac. Je m'attendais tellement pas à ce qu'il y ait un mec qui débarque d'admin en vrai. Moi, je m'attendais tellement pas à ce que ce fils de pute il monte sur un putain de bureau de merde. En tout cas, j'ai kiffé le mec qui était en train de te loot quand même. Je sautais, je galérais sur le bureau à côté. Je faisais un bruit de ouf. Et les gars s'en battaient les couilles. Je vais essayer mon sort en 12 parce que sur usine ça sert à rien ça. Alors ce qu'on va faire, ma première cartouche en pompon sera une star pour aveugler les mecs. On sait jamais si on tombe sur un mec close un peu récalcitrant pour se faire tuer par ton truc, je lui mettrai un coup de star dans les yeux quoi. Peut être pas mal, ouais. Je vais prendre une Vogue 25 au cas où. Ouais, Écoute, là pas 17, pardon. je vais pas sortir T5, je prends du stuff de merde là pour y aller.
Mais quand même, pour avoir la classe. La clé facto. Et je suis good. T'as la clé facto du coup? Ouais. Nice. Ça, je la prends pas. Se prendre. Le swag soit complet. Nice. Ah oui, toi tu pars T5 et tout, t'es chaud. Moi je veux pas mourir là, d'accord? Ah, sur usine. Oui, bah de toute façon, faut bien le jouer. Hein? Il va pas pourrir là dans mon stage. Surtout que le casque, bah c'est pas le mien à la base. L'armure non plus. Ouais, de ouf. T'as ce mec, le sang, le bro. 30 bits d'un coup, hop. Mais tu sais qu'il est arrivé hier sur mon stream, pareil, il m'inonde de bits, tu vois. Puis après il follow, puis après il sub, et puis après il se barre. Ah, ce qu'il a fait là, il a follow, il a tapé des bits, il sait pas. Alors d'ailleurs, là, ce qui. Bah d'ailleurs, je le remercie beaucoup, et puis. J'ai hâte de voir que dans mon overlay c'est un peu le bordel, forcément j'avais pas prévu les ouais. Bits. Ça veut dire qu'ils sont mal foutus quoi. C'est... Ouais, j'ai vu, t'as le texte qui est en dessous de l'overlay. Ouais, puis il est un peu trop gros aussi, il va falloir que je vais le modifier après. Yes. Ah, tu sais, c'est le fameux truc ultra bien fait de OBS où genre tant qu'il y a rien d'écrit dedans en fait tu peux pas vraiment bien le positionner. Ouais, ouais. Ça c'est bien ça, c'est pratique. Et du coup Nizel, merci ma gueule. La recherche d'une partie à 2 minutes 10 sur usine, on en parle? Oui. Ouais, ça devient chaud là quand même. Hein. Genre normalement on devrait être en train de spawn là. Ah oui. Et d'ailleurs j'ai oublié de prendre une morphine, c'est pas grave. Bon après on peut faire un retour là. Non ça. Il y a vraiment genre si on fait un... Ah bah voilà, tu vois, pas besoin de faire un retour. J'allais dire si vraiment genre ça reste recherche de partie à 5 minutes. Oui. On fait un retour pour relancer et là j'en profite pour prendre une morphine, tu vois. Sinon... C'est bien, ça veut dire qu'il y a plus de mecs qui vont aller se friter close dans le resort que sur usine. Mmh. Bon, même plus de facilité à aller sur littoral que sur usine. Par rapport à hier où il y avait absolument personne sur littoral. Ouais. Je sens que je vais faire un temps fort, je pense, de ce que j'ai fait tout à l'heure, les 5 mecs. Bah oui, oui. C'était pas mal, oui. Le jeu d'esclave énervé, ah bon?
Vas-y, viens, on rush. Ah, on rush, ok. Parce que moi, faut que les mecs ils soient close pour que je les flash, tu vois. Je suis en haut. Ouais, je monte. Oh, ça arrive en face, non? Je les flash. Oh non, mais gros, fallait être derrière moi là. Mais je l'ai fumé, hein. Ouais, il y en avait la deuxième. Ah bah j'ai fumé le deuxième alors. Mais il était tout seul, hein? Il était au KS23? Non, non, il y a un mec dans le connecteur aussi que j'ai flash. Ah, dans le connecteur! Ah putain de merde. Oh putain, il m'a eu. Oh, j'ai dû lui toucher le bras, fait chier. Bon, j'en ai eu un des deux du coup. You're listening to Chill Your Mind Radio. Ah, je suis deg. Bah ouais, ouais, j'imagine. Désolé. J'en ai quand même eu un des deux, mais... Tu vois, les gens, ils jouent pas, alors... Enfin, le mec connecteur, j'ai jamais vu, jamais entendu. Le mec connecteur, je suis arrivé, tu sais, il était allongé, je le flash, il me tire, il me blague une jambe. Je recule en me disant t'es là, au final bon t'es pas là, et là Team Rush il me défonce à occasion de rentrer. Ok. Oh, mais c'est pareil, en plus l'autre il avait que de la star sur lui. Il avait peut-être chargé avant, je sais pas. Ouais sûrement. Il m'a collé une shrap 10 dans le bras, c'était fini. Ouais, bah, je lui ai collé une tête. C'était fini aussi. Il s'appelle comment le bébé Mosin? Fusil d'infanterie, verrou, Mosin, il y en a. En mode bébé Mosin. Ok.
enlever ça. Ah oui, ok. Parce qu'en fait, il est pas considéré comme opérationnel. On va savoir pourquoi. Ah ouais, chat, mais c'est quoi, c'était des PNJ ou c'était des joueurs Tac. Et ouais, au final, je vais partir léger comme toi. Hein. Ouais, de toute façon, sur usine. Ouais. D'accord, ok, chat, je comprends. Mais je sais pas, je me suis dit ça me donne plus de chance et en fait. Bah non. Ah, parce que là, en plus, les mecs, ils étaient partis full. Bah full leg meta quoi en fait. Ouais ouais. Y'en a un qui était à la fléchette, l'autre à la chapelle donc. Ouais ouais, et celui qui était à la fléchette il était tout nu hein. Ouais, il était à poil hein. Pas de grenade, une morphine par contre. Ouais carrément ouais. Et fais ton truc aussi là pour ton overlay ou je sais pas là. Ah oui, ça va. Comme ça, hop. Hop. Alors. Je fais ça proprement et tout. Je mets un projecteur de scène pour bien voir sur mon écran comment ça se place. Check out our Spotify and YouTube playlists. Enjoy. Ouais, sûrement, chat, sûrement. Oh, un overlay tout beau, tout propre. Tout ému. Je suis tout émoustifaillé. Là j'ai dû toucher le bras, je sais pas. Paraît bizarre. Je suis lobby, du coup. Yep, je me prépare une petite arme et j'arrive.
I'm sober, I'm dancing in between. The rhythm bring me home, wherever that may be. Soon it might be over, so I just repeat. This is all I know. Pas de soucis, chat. A plus, chat. Bon, si j'arrive pas à faire de kill à cette game, je vais manger. Allez. Si, allez. Un, si j'en fais un, j'en refais une. Et si j'en fais deux, je vais manger. En gros, si je progresse pas ou si je finis la quête, je vais manger. D'accord, donc faut progresser un tout petit peu. C'est ça. Tu tues un demi-gars. C'est genre tu lui fais une jambe. Ouais, ça marche pas comme ça, Godrak, tu sais très bien. Ah, merde. Tu veux dire, c'est pas comme Twitch où ils comptent les virgules 1 de spectateurs? Oui, mais c'est pour les moyennes. Merde. Ah bah en moyenne, t'as tué 2,1 mecs, voilà. Genre 2 mecs plus un orteil. Ah, au moins, on a trouvé plus vite que tout à l'heure. Bien. Ah ouais, beaucoup plus vite. Hein. Comparable. Tout à fesses. Il y a 10 fesses. <T'es>... Le rire du scav là. Nice, nickel, c'est ça. bah écoute, j'allais par là. Hein. Ouais. Moi aussi. Mais là, j'ai joué comme une merde en fait. Il m'a... Attends, il m'a tué bras droit en une balle? Ah, il y a eu plus qu'une balle? Ah, t'as tué le SPC. Ah, ok. Ça. C'est quand même chaud, ça sort full stuff VSS sur usine. Moi, c'était de la 762, ouais, 762 BP. Hein. Ah, c'était son poteur qui m'a tué. Bah, c'est bien parce que dans mon écran, je subis une balle et en fait, j'en ai pris 4. J'ai à peine monté l'escalier en métal, j'ai pris une tête directe. Je suis le mec décalé, c'est tout. Ouais, bah je vais aller manger. Hein. Et bumble up ma gueule. Putain, là j'en peux plus en fait, genre j'ai pas le droit de jouer, j'ai fait une game à peu près. J'ai fait un quart de game usine. J'en peux plus. J'en ai foutu quoi de mon iFac? Ah oui, c'est vrai. Je cherche ouais, mon son. Ah non, ça c'est en privé ça. Ou c'est sur un stream. C'est pas Twitch. Ouais, non. Même si des fois sur Twitch il y a des trucs. Oui, c'est vrai. Après, bon, c'est.
Voilà, il faut en assumer les conséquences d'un ban de 3 jours. Bon. Ça pèse lourd sur la conscience, ça, un ban de 3 jours quand même. Hein. Ah bah attends, eh. C'est surtout la justification. Ah bah oui, mais en fait, c'était pas le bon site, désolé. Ouais. Ok, ouais. Ouais. Bah pourtant, je sais pas, c'est genre il y a les boss icônes en violet et tout quand t'es sur Twitch. Hein. Bah. Ouais. Ouais. Genre Twitch, il a son identité, tu vois. Ça se voit que c'est Twitch. Bah oui, puis bon, je veux dire, elle a pas lancé son truc et désapé direct, tu vois. Il y a eu tout le lancement, elle s'est pas dit tiens. Ouais. Oh, le chat Twitch, ça devait être quelque chose à ce moment-là. Hein. Ah, il devait être déchaîné. Ah, puis tu t'imagines tous les gens Kevin derrière, là. Ah bah là, bah ils pouvaient pas écrire, hein, ils avaient les mains prises. Eh, bah, papa, j'ai un problème, tu peux m'emmener papy Toel, s'il te plaît. C'est quoi ça, mon fils? Oh. Pousse-toi de là. C'est pas pour toi. Dégage. Laisse le PQ. Tu vois le daron qui prend l'écran. Ouais. Tu vas voir là. Oh putain. Bon bah écoute, si jamais tu rejoues après manger, je suis chaud. Y'a pas de soucis. Je serai peut-être un peu en meilleure forme, j'espère. Ouais, voilà, merci quand même de m'avoir supporté là. Hein. Putain. Y'a pas de soucis, c'est ça le joueur en équipe. Ouais. Bon, bref, bah bonne app si tu veux manger et à toutes. Bah merci à toi aussi, bonne app ma gueule. Et puis bah à toutes. Hop. Alors, du coup, parce que moi je vais en profiter certainement pour aller aux toilettes. Et vu l'heure, je vais. Ouais, 20h30. Ça commence à être l'heure pour moi d'aller chercher mon saumon et mon miel, là, tu sais, vous voyez ce que je veux dire. J'ai une fin d'ours, là, un peu. Donc, du coup, je vais certainement couper le live. Ouais, par contre, si la musique veut bien se relancer. Nice, c'est bon, nickel. Voilà, donc, du coup, je vais certainement les grailles, et puis on se retrouvera certainement après pour du Escape from Tarkov. Peut-être un peu de Foxhole, on verra bien, si... Si on a enfin cette 12-7 sur Foxhole, ça c'est quand même... Bon, s'il n'y a pas de 12-7, je joue pas. Parce que c'est pas ma guerre. Voilà. Du coup, voilà, alors bon, c'est vrai, j'ai toujours pas réussi à faire fonctionner les crédits, donc du coup, je vais faire les remerciements de manière verbale à l'ancienne, quoi. Du coup, je remercie à tous d'avoir été là pour ce stream. Je remercie Nizel d'avoir follow et d'avoir surtout lâché 30 bits, les 30 premiers bits de la chaîne. Merci à lui. Merci à Oliver d'avoir fait découvrir ma chaîne auprès de Nizel d'ailleurs. Et voilà. J'espère que ce stream vous aura plu. Comme d'habitude, Discord et sociaux pour savoir quand est-ce qu'il y aura le prochain live. Je vous souhaite à tous bon appétit si vous allez manger. Et si vous allez faire autre chose, bonne soirée. On se retrouvera tout à l'heure ou demain. Foxhole, Escape from Tarkov, Forza Horizon 4, comme d'habitude. À la prochaine.